le visage du Christ. L'une des images les plus vénérées dans l'histoire de l'humanité, reproduite à travers des milliers d'œuvres sculptées et peintes qui, au fil des siècles, se sont multipliées dans le monde, en Orient comme en Occident. Des traits réguliers, de longs cheveux jusqu'aux épaules, une barbe, une moustache et de grands yeux au regard noble. Un profil unique qui ne cesse de faire parler de lui aujourd'hui encore. Il a fait l'objet d'études par les chercheurs et les scientifiques qui, depuis toujours, s'interrogent sur son origine historique. C'est un repère pour des millions de fidèles qui cherchent dans la prière le visage de leur Seigneur. À quoi ressemblait réellement Jésus-Christ? Avait-il vraiment le physique qu'on lui prête, vénéré par la religion chrétienne depuis des siècles? Dans les évangiles, les écrits qui relatent la vie, les enseignements, la mort et la résurrection du Christ, aucune allusion n'est faite à son aspect physique, aux traits de son visage. Cette absence s'explique par le simple fait que les évangiles, les biographes officiels du Christ, n'ont jamais connu le protagoniste de leurs écrits. Ils ont simplement retranscrit les histoires transmises par la tradition orale, bien des années après sa mort. Selon certaines théories, seul Jean, l'évangéliste, pourrait avoir été l'apôtre le plus proche de Jésus. Mais même lui, qui l'a peut-être connu de son vivant, s'est bien gardé de dresser un portrait du Seigneur dans ses écrits. Alors, quelle est l'origine de ce visage que tous, croyants comme non-croyants, reconnaissent comme celui du Christ? Et dans quelle mesure correspond-il à la réalité? Les images que nous avons du Christ sont largement postérieures à son existence. Et comme les évangiles n'ont pas dressé de portrait physique de Jésus au moment de son passage sur Terre, nous ne savons pas avec certitude à quoi il ressemblait et quelles étaient les caractéristiques de son visage. Les évangiles ne proposant aucune description physique de Jésus, de nombreux peintres, écrivains et spécialistes ont eu recours pour leurs œuvres aux sources apocryphes et aux images dites achéropoïètes, c'est-à-dire non fabriquées par la main de l'homme, mais apparues par miracle. Parmi ces images, la plus connue reste sans aucun doute le Saint-Suaire. Conservé dans la cathédrale de Turin, il n'est présenté aux fidèles qu'à de rares occasions. Mais avant cela, des siècles durant, les chrétiens ont adoré une autre relique conservée près de Rome. Elle est connue sous le nom de voile de Véronique, un linge qui porte les traits du visage de Jésus et qui se trouve au cœur d'un mystère historico-théologique. Une histoire passionnante qui mêle foi, intrigue politique et coup de théâtre. Dans la tradition du Nouveau Testament, le personnage de Véronique est apocryphe. C'est une figure qui a énormément frappé l'imaginaire populaire et qui, par conséquent, fait partie d'un complexe iconographique extrêmement structuré. La tradition rapporte que pendant la montée de Jésus au calvaire, une femme, nommée Véronique, poussée par la compassion devant la souffrance du Christ, se fraye un chemin parmi les centurions pour essuyer son visage ruisselant de sang. Véronique est-elle un personnage historique ou un symbole? C'est difficile à dire. Il existe bien sûr plusieurs courants de pensée, comme toujours. Certains disent que c'est un symbole, quand d'autres pensent qu'elle a réellement existé. Sœur Anne-Catherine Emmerich, connue pour ses visions, raconte avoir vu Sainte Véronique lors de ses visions de la Passion du Christ. En arrivant devant le Fils de Dieu, elle tomba à genoux. Emplie de compassion, elle déploya le linge devant lui par l'un des côtés. Jésus prit le linge avec la main gauche et l'appliqua sur son visage ensanglanté. Ceux qui affirment que Véronique a réellement existé font en fait référence à des figures présentes au sein de la tradition du Nouveau Testament,
notamment l'hémorroïs. C'était une femme qui perdait continuellement du sang et qui n'avait jamais été guérie par les médecins. En touchant les vêtements du Christ, elle guérit miraculeusement. Et à partir de ce moment-là, le visage de Jésus restera imprimé sur son linge, qui arrivera jusqu'à Tibère. Tout ceci a pour but de donner un sens, une légitimité historique à la présence du voile de Véronique à Rome. À partir du XVe siècle en Occident, Sainte Véronique est vénérée comme le symbole de la femme pieuse. Elle est représentée dans de nombreuses œuvres de sculpture et de peinture et sera notamment le protagoniste de la sixième station du chemin de croix. Au XVIIe siècle, le sculpteur Francesco Motti lui dédie une œuvre dans la basilique de Saint-Pierre au Vatican. Une statue imposante qui tient entre ses mains le voile où figure la Sainte Face. Pourtant, il n'existe aucune trace de Sainte Véronique dans les évangiles et son culte n'est célébré qu'en Occident. Pourquoi ? Qui est Véronique ? Et où est né le mythe de cette sainte ? Le visage du Christ s'est-il réellement imprimé par miracle sur son linge ? Et si tel est le cas, où se trouve ce linge aujourd'hui ? En Orient, dans le monde orthodoxe, la sixième station du chemin de croix n'existe pas. Là-bas, Sainte Véronique n'existe pas. Elle existe seulement en Occident. C'est une image qui n'existe pas dans les évangiles. Elle a été inventée de toutes pièces, comme c'est de coutume dans la tradition apocryphe. Cette tradition a eu comme particularité de créer, à partir de l'imaginaire populaire, les chaînons manquants, les éléments manquants, parfois les structures fondatrices manquantes dans les textes canoniques. Elle a ajouté des pièces qui humanisaient certains récits, certains segments et certaines figures. La religion a besoin de symboles. Il faut pouvoir toucher le sacré du doigt. La parole ne suffit pas, pas plus que la pensée ou la foi abstraite. La religion vit de choses concrètes, de signes et de symboles dont le voile de Véronique fait partie. Et la Véronique est une de ces. Le culte du voile de Véronique aurait commencé à se répandre au Moyen Âge, peu avant l'an 1200. Des processions annuelles ont lieu et des indulgences sont accordées à ceux qui y participent. Pendant ces processions, on exhibe le voile sur lequel est imprimé le visage sacré. Le pape Innocent l'a porté en procession à Rome. L'image est alors visible des deux côtés du linge. Peu de temps après, on a créé la procession de la Fête Dieu, durant laquelle était utilisé l'ostensoir, qui permettait de voir des deux côtés. C'était une première. À partir de l'an 1300, le voile est exposé à la vue de tous, jusqu'à la date tragique du sac de Rome, le 6 mai 1527, jour qui verra le voile de Véronique disparaître pour toujours du Vatican. Toutefois, pour rassurer les fidèles et pour que les fructueuses processions continuent, l'Église met en œuvre un subtil plan de désinformation et affirme aux croyants que la relique a été retrouvée. Mais le problème refait surface lorsque la reine Constance d'Autriche envoie une missive au Vatican pour demander une réplique de l'image. Lorsque la lettre arrive à destination, les hauts responsables de l'Église doivent rapidement trouver une autre solution. Monseigneur Pietro Strozzi, le secrétaire du pape, suggère alors au souverain pontife de créer, dans le plus grand secret, un nouveau prototype du voile. L'original ayant disparu, le nouveau visage de Jésus est par erreur représenté les yeux fermés.
C'est une copie qui a été faite à la va-vite. Elle ne valait pas grand-chose sur le plan artistique. D'après ce que j'en ai vu, c'est une image qui n'en est pas une. Ça semble absurde, mais il s'agit en réalité d'une peinture qui est bien sûr très endommagée, dont on ne peut plus distinguer grand-chose. Aucun trait, ni aucun contour. Quel a été le destin du voile de Véronique après avoir disparu du Vatican? C'est une question qui reste encore sans réponse, mais qui soulève de nombreuses interrogations. Tandis que la relique disparaît à Rome au cours de l'assaut des Lansquenets à Manopello, une petite ville dans la province de Pescara, un autre linge miraculeux fait son apparition. Tout comme sur le voile de Véronique, le visage du Christ y est imprimé. Il est d'abord conservé dans le plus grand secret et ne sera vénéré publiquement qu'à partir de 1703. Le voile est dans la région depuis 1506. Mais il n'est arrivé à l'église qu'en 1638, parce qu'il a d'abord été conservé dans une maison privée, puis chez un autre particulier, avant d'arriver ici. Un frère capucin relate l'arrivée du voile saint à Manopello dans un manuscrit datant de 1640. Un frate cappuccino, Père Donato da Bomba, un frère capucin, a écrit « Una relazione historica », un manuscrit dans lequel il décrit l'arrivée du voile saint à Manopello. Ce document fait allusion à un pèlerin ayant rejoint Manopello en 1506, date symbolique puisqu'elle est liée au culte du voile de Véronique avant sa disparition. Le pèlerin confie alors un petit ballot à un médecin. En découvrant son contenu, celui-ci reste sans voix, mais il n'aura jamais la possibilité de remercier l'inconnu qui disparaît de manière inexplicable. Se sentant touché par la grâce de Dieu, l'homme gardera le voile jusqu'à la fin de ses jours. Le linge passe alors de main en main avant d'arriver jusqu'au frère capucin. Le père Donato da Bomba est le premier à mentionner par écrit la présence du voile à Manopello. Son manuscrit a suscité de nombreux doutes. Selon les hypothèses les plus probables, ce document qui mêle allègrement fiction et réalité n'aurait été qu'un moyen pour les frères capucins d'authentifier leur possession de la relique. En somme, une action préventive permettant de devancer toute revendication de sa propriété. Le voile serait donc arrivé jusqu'à Manopello en toute illégalité? Mais pour quel motif? Et à qui avait-il été soustrait? Nous savons désormais que pendant des années, la Sainte Face a été cachée aux visiteurs, aux pèlerins, à tout le monde. On peut ainsi supposer que cet objet inspirait une certaine crainte chez les frères capucins. Une hypothèse avance que c'est Ferdinando de Alarcón, un des protagonistes du sac de Rome, qui aurait emmené la Sainte Face jusqu'à Manopello. Il obtient le titre de marquis de la vallée cilicienne en Abruzze et parallèlement, il a accès à Rome au voile de Véronique. Peut-être a-t-il alors l'intention de le confier au pape ou à l'empereur Charles Quint, mais l'assaut cesse avant qu'il ne puisse s'en charger et ce linge sacré devient soudain très encombrant. Charles Quint et le pape ont fait la paix. Et à partir de ce moment, le voile est devenu un objet très compromettant, puisqu'il aurait fait du deuxième commandant des troupes de Charles Quint un criminel. En effet, détenir une relique d'une telle importance aurait été considéré comme un crime qui lui aurait coûté la vie. Il avait alors deux possibilités, la cacher ou bien la détruire.
Est-ce ainsi que De Alarcon aurait caché la relique à Manopello? Il s'agirait donc bien du véritable voile de Véronique. Personne ne peut expliquer de quelle façon l'image a été imprimée. Il n'existe aucune explication à ce sujet. Toutes les recherches menées à ce jour n'ont abouti à rien. Les premières études sur la Sainte Face remontent à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le linge sur lequel apparaît l'image d'un homme aux longs cheveux et à la barbe bipartite mesure 17 cm de large et 24 cm de haut. Sa particularité la plus remarquable, c'est sa transparence. Le tissu dont il est composé est tellement fin que l'on peut voir à travers. Cette caractéristique permet de contempler le visage saint d'un côté comme de l'autre, ce qui n'est pas sans rappeler le voile de Véronique, porté en procession par le pape Innocent autour de l'an 1200. Autre détail surprenant, l'image du Christ, qui apparaît donc des deux côtés du voile, n'est pas du tout identique d'un côté à l'autre et présente des caractéristiques différentes. Selon l'angle de la lumière, on voit apparaître deux images entièrement différentes. Il semble effectivement impensable que même un artiste d'aujourd'hui réussisse ce tour de force. Peindre sur un tel tissu présente déjà des difficultés au vu des caractéristiques particulières de ce matériau. Mais réussir à peindre dessus deux images différentes qui se mélangent l'une à l'autre en créant des clairs-obscurs très singuliers, tout cela semble impossible. Qui pourrait bien avoir réalisé un tel travail sur un tissu aussi fragile? Et quel est ce tissu qui s'est si bien prêté à une telle impression? Personne n'a su déterminer de quel tissu il s'agissait, jusqu'à l'intervention de Chiaravigo, maître de byssus, ou soie marine. C'est la seule spécialiste, du moins en Italie, capable d'étudier un tissu aussi ancien grâce à une technique qu'on lui a transmise. C'est elle qui a su déterminer avec certitude qu'il s'agissait de byssus. Les études menées par Jan Jaworski, professeur de chimie à l'Université de Varsovie, ont confirmé cette théorie. Grâce à une série d'analyses, il prouve que le voile de Manopello est très probablement fait de byssus. Trois éléments viennent confirmer qu'il s'agit bien de soie marine. Premièrement, c'est un tissu complètement transparent, tout comme l'image du voile de Manopello. On peut tout à fait lire un journal à travers le voile, à la distance maximale à laquelle une personne peut réussir à lire. C'est comme si le tissu n'était pas devant. Deuxièmement, la soie marine est le seul tissu qui devient couleur or lorsqu'il est exposé au soleil. On l'appelle la laine d'or. Aucun autre tissu n'a cette propriété. Enfin, Chiaravigo de Sant'Antioco, la seule personne qui sache encore travailler ce tissu, a immédiatement et clairement affirmé en voyant le voile qu'il s'agissait de soie marine. Ha dichiarato chiaramente immediatamente questo è biso marino. Chiaravigo, originaire de Sant'Antioco en Sardaigne, est maître de byssus depuis 1987. Le byssus est une fibre produite naturellement par le plus grand mollusque bivalve de la Méditerranée, la Pinna nobilis. Ce mollusque produit une substance qui, au contact de l'eau de mer, se solidifie et se transforme en soie. Quand je suis entrée dans l'église de Manopello, j'ai tout de suite dit « Mon Dieu, c'est du byssus ». C'était donc vrai. Ma grand-mère, lorsqu'elle me racontait ses histoires, me disait toujours « Tu dois apprendre par cœur le livre saint, parce que tu ne pourras pas travailler ce tissu sans connaître la Bible. Tu trouveras dans la Bible des informations indispensables à un maître de byssus. » C'est Léonilde Méreau, la grand-mère de Chiara, qui l'a initiée à cet immense univers, à cette connaissance de la soie marine. Il
Le byssus marin est produit par la grande nacre, Pinna nobilis en latin. Ce mollusque est très présent dans toute la région de l'archipel des Sulcis, ce qui permet la production de soie marine. Le byssus, produit par la Pinna nobilis, est le plus réputé au monde. On en trouve uniquement en mer Méditerranée. La fibre de byssus, lorsqu'elle est produite, se présente sous forme de touffe, constituée de longs filaments marrons. On a alors du mal à imaginer que ces filaments, une fois lavés, dessalés et cardés, puissent se transformer en fil d'or. C'est une fibre extrêmement intéressante, notamment parce qu'elle présente des caractéristiques inégalables d'un point de vue mercantile et textile. Par exemple, elle est ignifuge et résiste aux acides. Ça, c'est pour l'aspect purement pratique. Maintenant, il y a aussi toute une légende sacrée autour de cette fibre, qui est évoquée dans les évangiles, dans le Coran et même dans les évangiles apocryphes. Et c'est ce qui la rend si unique. Les Saintes Écritures font référence au byssus marin. C'est une soie royale que l'on utilisait déjà à l'époque de Jésus. Son tissage n'était réalisé que par certaines femmes du village, triées sur le volet. Les vêtements en soie marine appartenaient à Salomon, à la reine Hécube, à Néfertari, à Ramsès I, à Ramsès II. Mais qui confectionnait les vêtements du pharaon ? Ces habits royaux étaient fabriqués par les femmes du temple, qui avaient la tâche de tisser le sacré, et ne pouvaient donc pas tisser le profane. Le byssus qui compose le voile de Manopello est très ancien. Ce byssus a une particularité que seul quelqu'un qui a une connaissance de cette fibre, comme moi, peut remarquer. Par exemple, il présente des teintes de vert naturellement présentes dans les filaments de byssus qui datent d'il y a plus de 300 ans. En effet, à cette époque, il n'y avait pas de bateau à moteur qui circulait en mer et l'eau était donc dépourvue de tout composant chimique. C'est pourquoi le byssus du voile de Manopello est, comme l'on dit dans le jargon du textile, un byssus doré, sans croûte, et donc très ancien. C'est un matériau très délicat, la fibre la plus légère de tous les textiles, mais qui, paradoxalement, est indestructible et résiste à toutes les substances extérieures, y compris la peinture. Le byssus est auto-extinguible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le brûler. Une fois confectionné, il est imperméable. Ce qui veut dire que si l'on essaie de le teindre avec de la peinture à l'eau, dans un premier temps, cela se verra. Mais au bout de quelques minutes, la peinture va disparaître parce que le byssus va l'absorber, il va la boire, comme on dit. Et donc, il n'y aura plus rien. Si le voile de Manopello est bien fait en soie marine, il est donc impossible qu'il ait été peint. L'image qui y figure est donc apparue d'une autre façon, peut-être grâce à un miracle. Mais les particularités de cette relique ne s'arrêtent pas au tissu qui la compose. L'image que l'on voit lorsqu'on se trouve de face est également visible de derrière. L'image que l'on voit quand on se trouve de côté, on ne la voit que de côté, et avec une lumière rasante. C'est donc très étrange. Pourquoi un artiste aurait cherché à faire quelque chose d'aussi complexe? On peut se le demander. Cela aurait demandé un travail énorme, si tant est que cela était possible à cette époque. Et pour quel résultat? Une image que l'on aurait regardée comme n'importe quel autre tableau. Le voile de Manopello a été soumis à diverses séries d'analyses, dont les conclusions ont indiqué, entre autres, l'absence de substances d'amalgame des couleurs, comme de l'huile ou de la cire. Les études qui ont été menées jusqu'ici ne nous permettent pas encore d'arriver à des conclusions fermes.
Par conséquent, nous nous trouvons aujourd'hui encore face à un objet presque inexplicable. Alors, quelle est la véritable origine de la sainte face de Manopello? Fait-elle partie de ce que l'on appelle les images à Caropoyette? Et comment a-t-elle fait son apparition dans la petite ville des Abruzzes au moment où l'on perdait la trace du voile de Véronique à Rome? Selon certains chercheurs, cette relique serait en fait le voile disparu, et le visage qui apparaît sur le tissu serait bien celui de Jésus. J'ai trouvé la sainte face de Manopello au bout d'un long chemin personnel. Ma vocation m'a poussée à me concentrer sur la personne du Christ. Sœur Blandine Pascalis Schlomer, iconographe spécialiste du Saint-Suaire, entend parler de la sainte face de Manopello pour la première fois en 1977. C'est une de ses consœurs de l'ordre des Trappistines qui lui en fait part et lui conseille la lecture d'un article sur le sujet. Je suis donc allée voir dans ce journal pour lire l'article en question. C'était un article du sanctuaire de Manopello qui abrite la sainte face. Il évoquait toutes les particularités de la relique, sa transparence, le fait que l'on puisse lire un journal à travers, que les deux côtés soient quasiment identiques. Tout semblait très juste. Et à la fin de l'article, l'auteur disait même que les dimensions du voile correspondaient à celles du Saint-Suaire. Cette découverte l'intrigue, au point qu'elle décide d'approfondir le sujet malgré ses doutes. À ce moment-là, je n'ai pas vraiment eu la possibilité de vérifier l'exactitude de ce lien. Mais au bout de quelques années, le professeur Pfeiffer m'a contacté pour me proposer son aide. Il est venu à Manopello pour réaliser un croquis sur la relique, en faisant apparaître toutes les lignes précises du visage. Le père Heinrich Pfeiffer est l'un des principaux chercheurs sur le sujet et un expert reconnu de la relique de Manopello. Avec l'aide de sœur Blandine, il découvre que le visage de la sainte face de Manopello est parfaitement superposable à celui du Saint-Suaire de Turin. Au moment où nous avons superposé ces deux images, au trait totalement différent, j'ai vu apparaître un seul visage. C'était un visage unique et ça a été une grande émotion. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Maria Valtorta elle-même, connue pour être l'une des plus grandes mystiques chrétiennes du XXe siècle, a suggéré de superposer le visage de Manopello sur celui du Saint-Suaire. Il s'agirait donc de deux modèles du même visage, comme le démontrent par la suite les analyses de sœur Blandine et du père Pfeiffer. Maria Valtorta a rapporté les paroles de Jésus qu'elle a entendues dans ses visions et qui disait « Prenez les deux visages de ces images, mettez-les l'un sur l'autre, superposez-les et vous verrez que c'est moi, c'est bien moi. L'un représente mon visage mortuaire, l'autre est le visage de mon vivant, mais c'est moi », a dit Jésus par la voix de Maria Valtorta. Le visage du Jésus de Manopello pourrait donc correspondre au voile de Véronique, vénéré par les chrétiens pendant des siècles. Mais cela ne permet pas d'expliquer le fait que le visage du voile se superpose parfaitement à celui du Saint-Suaire de Turin. À moins que l'image à Caropoyette du visage du Christ soit apparue à l'intérieur de la tombe sacrée de Jésus, comme certains pensent que c'est le cas pour le Saint-Suaire. Cela pourrait-il être une explication ? Pour moi, la sainte face qui se trouve à Manopello pourrait être le suaire qui reposait dans la tombe de Jésus. Quand je suis arrivé à Manopello, j'ai immédiatement eu un tout autre sentiment. Je me suis dit tout de suite, voilà le voile de Véronique, nous l'avons enfin trouvé. Il faut connaître toute l'histoire, mais pour moi, c'est une évidence.
Cette histoire commence par la stupéfaction de Simon-Pierre et de Jean, les deux apôtres qui, après avoir été prévenus par Marie-Madeleine, se précipitent vers la tombe du Christ pour la trouver vide. Marie-Madeleine arrive au tombeau de Jésus le matin de Pâques. Elle ne dit pas « le Seigneur est ressuscité », mais ils l'ont enlevé. Et elle ne sait absolument pas où. Alors elle court voir les apôtres. À l'intérieur du tout petit tombeau, ils récupèrent les linges et les rapportent rapidement au cénacle, la salle de son dernier repas. Ce soir-là, d'après les évangiles, Jésus ressuscité apparaît parmi ses apôtres, alors que les portes avaient été verrouillées par crainte des Juifs. Pourquoi avait-il peur? Il n'y a qu'une seule raison qui explique cette crainte. Ils avaient des linges en leur possession. Dans la culture hébraïque, la période autour de Pâques est toujours effervescente et pleine d'excitation. Ça aurait été une chose pour eux que de dire « Jésus de Nazareth est ressuscité ». Mais s'ils avaient déclaré en avoir les preuves grâce aux linges récupérés dans la tombe, les apôtres n'auraient pas survécu, parce que cela aurait enfreint deux grands interdits. Rappelons-nous d'abord du précepte « Tu ne te feras point d'image ». C'était le cas ici. Et puis il y avait aussi la pureté. Le fait d'avoir ces linges les faisait enfreindre ces deux interdits. Il était donc, dès le départ, indispensable de les dissimuler. À partir de ce moment-là, il ne reste plus que quelques traces de ces linges mortuaires, des témoignages directs de la passion du Christ, de sa mort et de la disparition de son corps. Des reliques miraculeuses où figure son visage font leur apparition dans les endroits les plus divers. Des légendes, des récits, des peintures qui vont créer un lien mystérieux entre l'Orient et l'Occident. Lorsqu'on analyse l'iconographie du Christ, en particulier les reliques où son visage n'a pas été peint, mais est supposément apparu par miracle, puisque c'est ce qu'on retient de ses linges, on se rend compte qu'il y a énormément de pistes parallèles. Une de ces pistes nous mène jusqu'en Géorgie, où l'on raconte la légende de Marie, mère de Jésus. Cette légende raconte que la Madone possédait un linge où le visage du Christ s'était imprimé en étant superposé au Saint-Suaire, dans la tombe, à Jérusalem. Et, quand elle priait, elle orientait toujours ce voile ou ce linge vers l'Orient. Un autre tissu où figure le visage du Christ serait apparu à Camulia, en Cappadoce. Et de là, comme le raconte l'historien byzantin Georges Cédren, il aurait ensuite été transporté à Constantinople en l'an 574. L'image de Camulia est la première de l'histoire à avoir été considérée comme achéropoïète, non fabriquée par la main de l'homme, mais d'origine divine. De Constantinople, l'image de Camulia aurait ensuite rejoint Rome, envoyée par bateau par le patriarche Germanos. C'est là qu'elle devient le voile de Véronique. L'image de Camulia et le voile de Véronique seraient donc le même objet. Et cette relique a-t-elle un lien quelconque avec le tissu conservé par la Madone après la mort de son fils? Une autre piste nous conduit jusqu'à Édesse, où régnait Akbar, un souverain qui se serait tourné vers Jésus pour implorer la guérison de sa maladie. Les versions de cette histoire divergent, mais un détail est commun à chacune. Le Messie aurait offert au roi Akbar une image de son propre visage, imprimée miraculeusement sur un linge. C'est grâce à cette image qu'il aurait guéri. Cette image imprimée par miracle sur ce linge est en quelque sorte l'élément qui nous fait sortir des thèses apocryphes, des légendes, pour entrer dans l'histoire. C'en est le premier passage essentiel. On présuppose que cette image reçue en cadeau par Akbar
est en réalité le mendilion vénéré à Edesse. Le mendilion d'Edesse, une relique qui, à partir du VIe siècle, influence très fortement la tradition picturale, devenant ainsi l'archétype des représentations iconographiques du Christ. On a d'abord pensé que le mendilion était un tissu qui, comme l'image de Camulia, portait l'impression du visage du Seigneur. Mais plusieurs études ont en fait permis de rapprocher ce linge du Saint-Suaire, qui, plié en huit, fait apparaître dans sa partie supérieure le visage de l'homme du Suaire. C'est à partir de ce moment-là que la représentation du Christ n'est plus laissée à la libre imagination du peintre. C'est l'image du Saint-Suaire, ou du moins celle de la relique qui est arrivée vers le VIe ou le VIIe siècle, qui devient la norme pour toutes les autres représentations. Comme celle du Christ Pantocrator, par exemple, présente sur les mosaïques à Constantinople et dans les régions imprégnées de la culture byzantine. L'image de ce Christ Pantocrator ressemble en tout point à celle de l'homme du Saint-Suaire. Le peintre a-t-il eu connaissance de cette relique ? Quant au mendilion, qui a peut-être été la source d'inspiration pour ce Pantocrator, quel lien a-t-il avec le linge, qui, comme la tradition le raconte, aurait enveloppé le corps de Jésus après sa mort ? Selon une autre version de l'histoire du roi Akbar, le précieux linceul aurait été apporté au roi malade par saint Just Thaddée. Puis, quelques temps plus tard, à la mort du roi, il aurait été plié en huit et caché par les disciples du christianisme persécutés à cette époque. Lorsqu'on plie le Saint-Suaire en huit, la zone du visage reste visible. À partir du IVe siècle, toutes les représentations antiques du visage du Christ ont été calquées sur l'image du Suaire. Nous ne disposons d'aucune preuve pour affirmer que le peintre, ou du moins l'iconographe qui est l'auteur de l'image d'Edesse, a vu le visage du Saint-Suaire. Nous n'en savons rien, mais c'est tout à fait possible. C'est une des hypothèses avancées, parce que les deux images sont extrêmement similaires. Ce peintre n'a pas pu inventer une telle image. Il a forcément vu quelque chose. Des reconstitutions historiques nous ont appris que le mendilion, ou image d'Edesse, avait ensuite été transporté jusqu'à Constantinople. Mais en 1204, sous le pontificat du pape Innocent III, ont lieu les croisades. Pendant trois jours, de terribles pillages se multiplient et la relique est peut-être emportée dans le butin de guerre, car c'est à ce moment-là qu'on en perd la trace. Ce linge disparaît en 1204 et refait surface en France environ 150 ans plus tard, c'est-à-dire vers l'an 1353, aux mains d'un chevalier des croisades. Sa femme était la descendante d'un des croisés qui avait pris le quartier de Notre-Dame de Blackern, à Constantinople, où se trouvait le Suaire en 1204. Selon une autre hypothèse, le linge serait resté entre les mains des chevaliers templiers pendant un certain temps. Les templiers vénéraient l'image d'un visage qui a été découvert à Temple Combe, en Angleterre. La superposition de ce visage avec celui du Saint-Suaire est totale. Il y a 145 points de contact entre eux. L'un des derniers chevaliers templiers, mort au bûcher en 1314, était parent avec Geoffroy de Charny, le premier possesseur du Suaire, qui a déclaré en 1353 l'avoir en sa possession. On sait que les Templiers étaient très intéressés par les reliques du Christ et qu'ils ont essayé, dans la mesure du possible, de se les procurer. Et il existe effectivement des documents des Templiers, en particulier un, qui remonte à l'époque où ils étaient interrogés à Carcassonne. Dans ce document, l'un d'eux dit clairement avoir vu « quodam lineum abentem figuram hominis », c'est-à-dire un linceul où figure l'image d'un homme. Près de 100 ans plus tard, en 1453, la descendante de Geoffroy de Charny, le premier possesseur officiel de la relique en France, donne le Suaire à la famille de Savoie. Cette famille le conserve d'abord dans son château à Chambéry,
dans une chapelle spécialement bâtie pour l'occasion. Puis en 1578, il est transporté à Turin. Les Templiers semblent donc avoir eu le Saint-Suaire en leur possession, du moins pendant un temps, avant que la relique n'arrive en France, à Chambéry, dans la Sainte-Chapelle du château de Savoie. On divise traditionnellement l'histoire du Saint-Suaire en deux grandes périodes. Une première période de la sépulture du Christ jusqu'à la moitié du XIVe siècle, lorsque le Suaire apparaît en Europe. Puis, la deuxième période, on la relie au fait qu'il existe une documentation fiable et satisfaisante qui permette de faire le lien entre le Suaire qui refait surface en France au XIVe siècle à Liré, dans une famille féodale, et celui qui est aujourd'hui conservé à Turin. Et c'est sur cette relique que de nombreuses analyses sont réalisées à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les résultats sont stupéfiants. Ces recherches sont liées à la première photographie officielle du Suaire, prise en 1898 par le photographe Segundo Pia, qui est le premier à mettre en évidence les caractéristiques surprenantes du linge mortuaire. La caractéristique majeure du Suaire, c'est que la relique et l'image qui y figurent sont comparables à un négatif de photographie. En prenant ce cliché, Segundo Pia a réussi à faire ressortir l'inversion des tons. Et c'est alors qu'est apparu très clairement sur le négatif le visage de l'homme du Suaire. C'est une découverte historique. Pour la première fois, il est possible d'observer le vrai visage de l'homme du Suaire. Peut-être le vrai visage du Christ. Il faut également prendre en compte le fait que la photographie ait ouvert la voie aux recherches plus élaborées à travers l'informatique. La possibilité d'étudier l'image du Suaire avec des ordinateurs a permis d'approfondir la recherche des détails sur cette image, en particulier par rapport à la deuxième caractéristique majeure de la relique, à savoir sa tridimensionnalité. J'avais 3 ans quand mon père a photographié la relique. À cette époque, il a développé des dizaines de photos de l'image à l'échelle 1:1, c'est-à-dire un très grand format. En 1969, Giovanni Battista Giudica Cordiglia, le père de Massiliano, est le premier à prendre une photo couleur du Saint-Suaire et à donner de la profondeur à l'image. En donnant cet aspect tridimensionnel à l'image, sur le cliché que nous avons développé, le linge semble reposer sur un corps, ce qui facilite la lecture de l'image. Massimiliano Giudica Cordiglia et son équipe ont recréé la silhouette de l'homme du Suaire en 3D. Tout comme le professeur Nello Balossino, qui a lui aussi travaillé sur la tridimensionnalité de la relique. Le résultat, c'est celui que vous voyez. C'est le visage de l'homme du Saint-Suaire nettoyé de ses blessures. On remarque un certain flou de l'image. Mais quiconque s'y connaît un peu en optique sait que ce flou est lié au filtre passe-bas utilisé, qui permet d'éliminer les imperfections. Il n'y a donc plus d'imperfections, plus de bruit, mais le rendu est légèrement fou. Lorsqu'on l'observe dans toute sa tridimensionnalité, le visage de l'homme du Suaire correspond en effet à la tradition iconographique la plus ancienne. Qui aurait pu imaginer que 2000 ans plus tard, nous pourrions voir le visage du Christ ? Le Christ a en quelque sorte inventé la photographie avant l'heure, ce qui nous permet aujourd'hui de voir son visage comme ont pu le voir ses contemporains. C'est également ce visage que Luigi Enzo Mattei, créateur du corps de l'homme du Suaire, a sculpté.
Il a travaillé sur cette œuvre pendant 19 mois. Comment est né ce visage? Très probablement à travers le suaire, par la face ventrale. Le visage appartient au type sémitique, car l'espacement entre les pupilles est inférieur aux 65 mm de celui du type européen. Il y a également le nez allongé, les moustaches, la barbe clairsemée, moins fournie sur le côté droit. C'est un visage hiératique, solennel, un visage qui dégage de l'apaisement et de la sérénité. C'est presque comme s'il avait été séparé de ce corps martyrisé. Même si ce visage ne nous regarde pas directement, puisque les paupières sont fermées, il nous transperce et il nous fait réfléchir. Le Saint-Suaire n'apporte pas des réponses, il pose des questions. Les interrogations se multiplient autour du mystère de la Sainte Face de Jésus-Christ. Et si les recherches menées jusqu'à ce jour ont montré que le visage du Suaire est celui qui s'approche le plus des traits du Christ, il existe aussi d'autres reliques qui viennent compléter les informations données par le Saint-Suaire. L'une de ces reliques est un autre Suaire qui se trouve à Oviedo, en Espagne. Le suaire d'Oviedo est une relique que l'on met souvent en relation avec le Saint-Suaire. Le suaire d'Oviedo apporte des preuves anatomico-pathologiques intéressantes pour soutenir les hypothèses autour du Saint-Suaire. En effet, les traces de sang que l'on a retrouvées sur ce linge appartiennent au même groupe sanguin que celles du Saint-Suaire. C'est donc une analogie essentielle. Dans l'Antiquité, le suaire était un linge utilisé pour envelopper la tête des cadavres juste après leur mort, afin de pouvoir les transporter jusqu'à leur tombe. Ce suaire qui recouvrait la tête du Seigneur alors qu'on le descendait de la croix se trouve à Oviedo depuis le 9e siècle. Pour nous, il est évident que le suaire était utilisé avant la sépulture définitive. Il recouvrait la tête de l'homme, de sa mort, jusqu'au moment où il était inhumé. Le suaire d'Oviedo est un linge de petite dimension, environ 83 cm par 53. Suffisamment grand tout de même pour recouvrir la tête d'un homme. Sur ce linge, aucun visage n'apparaît, seulement des taches de sang. C'est très intéressant parce que les taches de sang coïncident avec celles que l'on a trouvées sur le Saint-Suaire. Le suaire d'Oviedo aurait donc servi à recouvrir le visage du crucifié, à partir du moment où on l'a descendu de la croix pour l'emmener jusqu'au lieu de sépulture, pour recouvrir son visage défiguré. Et c'est encore une fois sœur Blandine Pascalis-Schlomer qui a tenté d'approfondir les hypothèses avancées sur les coïncidences extraordinaires qui existent entre les suaires de Turin et d'Oviedo. Après avoir eu l'idée de superposer le Saint-Suaire et le voile de Manopello, elle a repris les travaux menés par d'autres chercheurs et a superposé sur ces deux linges les empreintes des traces de sang du suaire d'Oviedo. Ces travaux ne sont pas de moi. Je n'ai fait que reprendre cette superposition élaborée par d'autres entre le Saint-Suaire et le suaire d'Oviedo. Les marques de sang correspondent exactement à celles du visage de Manopello. C'est une découverte extraordinaire. Le suaire de Turin, le voile de Manopello et le suaire d'Oviedo. Voilà trois reliques miraculeuses qui sont au cœur des principaux récits et légendes chrétiens. Ces trois reliques correspondent-elles au même visage, à celui de Jésus-Christ? Le Seigneur nous montre comment il était à ce moment précis. Le Saint-Suaire nous donne un aperçu de son corps à sa mort. Peut-être quelques instants seulement avant que son âme ne s'échappe et avant la résurrection. C'est comme si cette relique nous donnait à voir son tout premier regard.
Aujourd'hui, il semble évident que le visage de la Sainte Face est le même que celui de l'homme de Turin et celui de l'homme d'Oviedo en Espagne. Il s'agit bien d'un seul et même individu. Ces reliques seraient-elles semblables à des photographies sophistiquées du visage du Christ, des images en trois dimensions qui nous viennent d'un passé lointain pour nous transmettre un message, celui du témoignage de la résurrection de Jésus, tel le cinquième et ultime évangile? La question reste ouverte. Une seule certitude, les images de Manopello, d'Oviedo et de Turin constituent une preuve ultime pour les croyants, mais représentent un défi immense pour la science. Le sujet est loin d'être clos.